never answer something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les ch'tipotes. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de livre. Je viens de m'apercevoir que j'ai filmé avant une présentation sur le Forest Kingdom et je vous l'avais déjà mise en ligne. Donc comment vous dire que voilà, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc normalement j'ai remis mon carnet à jour. Mon Dieu, ça me fait perdre du temps du coup. J'ai plein de livres à vous présenter, mais si je vous refais plusieurs fois la même, c'est n'importe quoi. Je vous jure, j'en peux plus de moi. Donc j'ai vérifié, celui-ci je ne voulais pas présenter, donc je vais vous le faire comme ça. Vous aurez les comptes, enfin les derniers d'Anna Carlson qui seront dispo sur la chaîne. Oh, j'en peux plus de moi. Donc aujourd'hui, présentation du Midnight Masquerade. Parce que je ne vous l'ai pas faite. Donc là, c'est l'édition Gibbs Smith, vu que c'est en anglais. Voilà. Donc j'en ai encore un autre à vous filmer. Je suis en train de penser. Il y a le Axan Stuga, la cabane de la sorcière, qu'il faut que je vous fasse. Bon, je vais vous le faire juste derrière celle-ci. Mais bon, vous l'aurez. Voilà. Comme ça me fait du contenu, parce que quand je vais déménager et tout, ça va être problématique. Voilà, j'aurai plus internet, tout ça. Donc autant que j'essaye de prévoir là en ce moment des vidéos pour que vous ne sentiez pas la coupure en fait. Je vais programmer, je vais prévoir pour que vous ayez les vidéos qui tombent quand même. Même si je ne serai pas vraiment là. Donc le Midnight Masquerade d'Anna Carlson, c'est le deuxième que je me suis acheté, celui-ci. C'est le deuxième, il me semble. Et j'en ai fait qu'un dedans. Et il est tout récent. Donc, j'ai toujours pas fait ces pages-là. Il va falloir que je m'y attelle. Je sais pas pourquoi je les fais pas. Mais celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Mais j'ai un peu plus de mal, je sais pas pourquoi. Je le trouve complexe. Voilà, j'ai fait celui-ci dernièrement et je suis pas... Voilà, j'étais contente de ce que j'avais fait au niveau des rubans et tout. Puis après, le fond, c'est parti en cacahuète. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, du coup j'ai mis plusieurs couches, plusieurs... Voilà. Donc ouais, je suis pas ouf sur ce colo. Elle ressort plus du tout, du coup, la petite fée, on la voit quasiment plus. Donc, ouais, non, je suis pas satisfaite de moi sur ce coup-là, quoi. J'aurais mieux fait de faire un truc beaucoup plus clair ou... Après, en même temps, c'est du festif, j'aurais dû faire... Puis bon, il y a les bougies qui sont allumées, normalement, il faut qu'il fasse sombre, mais c'est compliqué. Je sais pas. Donc là, normalement, je vais peut-être faire celui-ci, je crois, en duo avec Princesse. Je vais voir si c'est bien celui-ci qu'on fait, mais normalement, je crois que c'est celui-ci. Et j'avais pas tilté que c'était la page à côté. En ce moment, sans le faire exprès, je me retrouve avec des doubles pages de fête, et bah, c'est cool. Et du coup, je sais pas du tout comment je vais, dans quelle teinte je vais faire. Mais ouais, je suis pas super satisfaite, et vous voyez la page, elle a vachement gondolé, hein. Je suis revenue plusieurs fois, vu que c'est du Gibbs Smith, hein, voilà. Et pour moi, il y a pas mal de scènes de nuit, enfin, c'est ça qui est... Là, celle-ci, il va falloir que je fasse gaffe que je fasse pas pareil. Que je fasse des fonds noirs au pire, je sais pas. Ils sont trop cute. Parce que oui, dès qu'il y a des lampions, tout ça, moi je le vois de nuit, moi, je sais pas.
c'est Midnight aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle match quand même, donc je sais pas. C'est tellement rare que j'arrive à ressortir sur le papier ce que j'ai dans la tête. Vide là, je sais pas. Je ne sais pas. Ça fait peur, ça, pour les trans. Voilà pour cette petite présentation. Dites-moi en commentaire si vous l'avez. Si jamais vous avez un de ces livres, voilà, lors d'une présentation que je vous fais, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'on fasse un duo dedans. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça me permettra d'avancer plus rapidement mes livres. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Mais ils sont vraiment. Je les trouve vraiment trop cute, très mignons ces livres. Des bisous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.